Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais encore faire la promotion d'une chaîne YouTube. Cette chaîne c'est celle du frère Ludovic Rouget. Hein, c'est un prédicateur sur Internet que j'ai découvert par la grâce de Dieu il y a environ 2 ans. Je l'avais découvert sur Facebook d'abord et ensuite sur YouTube avec ses réunions live. Et vraiment je constate que c'est un très bon prédicateur. C'est vraiment, moi personnellement, je prends beaucoup de plaisir à l'écouter. Il y a vraiment la saine doctrine qui est prêchée. Il prêche très bien la doctrine du salut, hein, le salut par grâce, l'assurance du salut. Il démontre très bien la pensée pharisaïque du salut par les œuvres et de la perte du salut. Il prêche la prédestination. Il parle beaucoup aussi de l'histoire de l'Église. Il fait référence à des chrétiens comme Augustin, Charles Spurgeon, Jean Calvin. Et j'en passe, et il est très cultivé par rapport à ça, l'histoire de l'Église, ça se voit. Et c'est bien parce qu'il fait participer d'autres personnes avec lui, hein. Il donne la parole à des gens pour qu'ils témoignent de toutes sortes de choses, quoi, de leur témoignage de conversion, enfin de plein de choses, quoi. Je trouve ça très bien. C'est des vidéos longues, hein, sur sa chaîne YouTube, qui peuvent durer jusqu'à même 3 heures, et c'est très édifiant. C'est très édifiant. Moi, la plupart du temps, j'ai du mal à écouter des vidéos longues. J'ai toujours eu du mal, en fait. Mais celle de Ludovic Rouget, j'y arrive, quoi. C'est un peu comme les vidéos de Pascal Denot. J'arrive à enchaîner des heures de vidéos, quoi, sans problème. Parce que c'est vraiment prenant, quoi. Il y a la vraie doctrine qui est prêchée. Et c'est bien avec Ludovic Rouget aussi, il y a beaucoup de révélations par rapport à ce que dit l'Écriture, quoi. Il y a des choses qu'on ignorait totalement et qu'on se disait, mais oui, c'est vrai que la Bible a dit ça, quoi. C'est fou, hein. C'est quand on observe la tenue du sacrificateur ou quand, je sais pas, quand on lit le livre de l'Exode en général, on apprend des choses sur Jésus. C'est magnifique, quoi. Je trouve ça magnifique. C'est très intéressant. Voilà, la saine doctrine est prêchée. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Il est très cultivé aussi. Moi, j'aime beaucoup les pasteurs cultivés qui non seulement connaissent la doctrine, mais qui aussi connaissent l'histoire de l'Église. Je trouve que c'est très important de connaître l'histoire de l'Église aussi, hein, vraiment de comprendre comment Dieu a guidé toute son Église au travers des siècles, comment il a bâti son Église depuis 2000 ans. Et ça, Ludovic Rouget, il connaît cette histoire-là. Tout comme Pascal Denot, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Et voilà, c'est vraiment édifiant. Et le monde francophone a besoin de ce genre de prédicateur cultivé, qui connaît la saine doctrine, qui dénonce aussi les milieux mensongers, comme le milieu pentecôtiste, hein, tous les milieux mystiques issus d'Azusa Street au début du XXe siècle, toutes les sectes du XIXe siècle, comme l'adventisme, le mormonisme, les témoins de Jéhovah, et j'en passe. Donc voilà, c'est très important. Et voilà, vraiment visitez sa chaîne YouTube, c'est très édifiant. Et voilà, abonnez-vous. Voilà, parce que voilà, c'est beaucoup de choses à apprendre. Et surtout, il y a la saine doctrine qui est prêchée, ça fait du bien. Soyez bénis, au revoir.